maintenant l'hymne national du Royaume du Maroc. C'est beau, il fait chaud, on est bien dans notre parc.
Ça fait 4 ans que vous le faites dans le parc Jerry parce que j'ai le Maroc tatoué sur le cœur. J'ai appris à vous connaître il y a déjà près de 16 ans. Je suis allée au Maroc, j'ai travaillé avec les gens de Casablanca. Maintenant, j'ai fait le tour. Et comme je ne pouvais pas vivre là-bas, j'ai ramené le Maroc ici. Et c'est pour ça qu'on a fait le petit Maghreb dans Saint-Michel. Et c'est pour ça que beaucoup de mes amis sont maghrébins, dont entre autres Rachid, qui est l'organisateur, et tous les gens autour, qui méritent un moment d'applaudissement. Merci à vous tous d'être là, de rendre cette fête à chaque année un succès. Vous savez que Montréal, le maire pourra le dire, je ne vais pas prendre ses mots, mais vous savez qu'à Montréal, la beauté, c'est vivre ensemble. C'est nos 200 communautés qui se côtoient à tous les jours, et seulement dans mon arrondissement, j'en ai 115 communautés différentes. Et c'est ça qu'on les vit à toutes les semaines, et c'est le plus bel exemple qu'on peut donner à travers le monde sur le vivre ensemble, sur le respect, sur notre diversité et sur notre culture. Alors j'en suis très fière, vous devez en être fière aussi. Je veux remercier tous les dignitaires qui sont ici, mais principalement le maire de Montréal qui ne voulait pas manquer l'événement. Je suis aussi accompagnée de Franz Benjamin qui est le président du conseil, mais également le conseiller municipal de Saint-Michel. Et maintenant, je cède la parole à M. Denis Coderre. OK, on va régler une chose en partant. Allah El Watan El Mali. Salam alaikum. C'est de bonne humeur. On a une température du Sahara, donc vous sentez chez vous, c'est bien. Hein? Il y a des gens de Ouarzazate ici. Casablanca, Rabat, Marrakech, les autres. La beauté en politique, c'est qu'il faut parler fort, mais il faut parler peu. Alors, je ne serai pas trop long, je veux tout simplement vous dire à quel point je suis fier de me retrouver ici même, à côté de notre bonne amie, et qui est une femme fantastique, l'ambassadrice du Maroc, qui est toujours là pour sa communauté, mais qui a tissé des liens extraordinaires, tant avec le Canada, mais aussi avec la ville de Montréal, et qui mérite une bonne main d'applaudissement. Je salue évidemment Mme la consul. Ça clique tout de suite à Montréal. Nous autres, on fait une chose, ça marche. Je veux remercier Rachid. Rachid, c'est un vieux pote depuis de nombreuses années. On a appris à grandir ensemble, que je sois député et ministre pendant 16 ans ou maintenant comme votre maire. J'ai eu une promotion. Je suis très fier d'être à vos côtés. J'ai une équipe fantastique. On vous a nommé des dignitaires qui étaient élus, qui étaient présents. Ils ont une chose en commun, ils font partie de l'équipe Coderre. Alors ça, déjà, c'est un grand hein? Déjà, en partant, c'est quelque chose de bien. Alors merci à Annie Sanson, qui est notre doyenne et qui fait un travail extraordinaire et qui mérite une bonne main d'applaudissement, qui s'investit dans le vivre ensemble. Je veux saluer Franz Benjamin. Franz est non seulement conseiller, mais on l'a dit. Vous savez, à Montréal, on peut être égal et différent. On veut être aussi représentatif de cette diversité. Il est le premier président du conseil municipal d'origine haïtienne, après moi, évidemment. Mais je veux le saluer et lui dire à quel point on est fiers de son travail incessant. Et on a une magnifique profondeur aussi à Montréal-Nord avec Christine, parce qu'on veut aussi qu'il y ait des jeunes qui s'impliquent en politique. Et Christine qui a fait un travail de main de maître pour sa communauté au niveau de la société civile, qui est maintenant mairesse de Montréal-Nord. Merci beaucoup d'être là. Évidemment, notre ami, représentant de l'État également. Merci à tous. Le vivre ensemble, ça se vit à tous les jours. Ça veut dire qu'on peut être égal et différent. Il faut faire cet équilibre entre l'ouverture et la vigilance. Que nous combattons tous et toutes l'insécurité, que nous sommes tous et toutes parties prenantes de la solution, que notre rôle ici, c'est comme vous le faites à tous les jours, c'est d'épanouir vos familles, de faire en sorte que Montréal soit une des plus belles métropoles au Canada, que vous n'oubliez pas vos racines, mais que vous savez que le bien commun est important, que vous êtes de fiers Canadiens, de fiers Québécois, de fiers Montréalais, ou peu importe la municipalité que vous représentez. Et que ceux et celles
qui veulent détruire ce rythme, ces valeurs, auront affaire à nous tous ensemble. Tous ensemble. Alors, je vous souhaite, tant sur la scène internationale que sur la scène canadienne ou québécoise, et quand on parle des relations entre le Maroc et Montréal, on parle du français en partage, on parle de valeurs internationales du vivre ensemble. C'est un sommet important où nous avons signé une déclaration de Montréal où il y avait des maires, justement, du Maroc qui était présent. Et je suis extrêmement fier que l'an prochain, parce qu'on veut qu'il y ait une pérennité à ce sommet. Le premier sommet fut à Montréal. Le prochain sera également au Maroc. Alors, je suis très, très fier de cette magnifique amitié. Et grâce notamment au leadership de la division de Mme l'ambassadrice. Merci beaucoup. Alors, chers amis, amusez-vous bien et encore une fois, Allah El Watan El Mali! Bravo au Maroc!